au 21e siècle, qui sait. Le paysan, le mot paysan, je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est un peu dur de le décrire parce que nous, on a notre vision européenne, là, on est quand même dans un sacré confort. Et tu, quand tu vois des reportages qui se passent au bout du monde, je ne sais pas si le terme de paysan du 21e siècle il peut avoir un sens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement loin dans la technique et d'autres qui sont tellement en retard, entre guillemets, parce que ceux qui sont bio, au final, c'est ceux qui ont un impact écologique bien moindre même que le mien. Pourtant, moi, je fais de l'élevage extensif, j'essaie de rester en mode traditionnel. J'ai quand même un 4x4, une machine à traire, un tracteur. Je veux dire, ou spiritu paysan, c'est celui qui quand même a de l'amour pour son territoire et essaie de faire les choses, non pas par cupidité, mais par envie et goût. Envie de bien faire les choses, envie de s'appliquer, aimer son lieu, aimer son pâturage et faire en sorte quand je tronçonne un arbre, moi j'ai aucun objectif de rentabilité de vendre une camionnette de plus de bois. C'est, voilà, j'ai décidé d'éclaircir une parcelle, j'essaie de faire ça bien et je laisse évidemment des beaux arbres aux beaux endroits pour que le lieu reste propre à la fin, quoi. Je pense que c'est un peu ça la paysannerie qui a survécu chez nous.
pour moi, le bio, ce serait augmenter les tarifs de mon fromage. Et vu qu'on habite sur une île, toute la marchandise qui arrive aujourd'hui, les céréales, les compléments, ils arrivent par bateau. J'estime qu'un peu sur notre île, faire du bio aujourd'hui, c'est un peu ambigu. Mais bon, bien évidemment, je suis conscient que c'est l'avenir aussi de l'agriculture. Hein. Là, j'ai des parcelles en bas que je sème, je m'interdis de balancer du pesticide, je m'interdis de balancer du chimique. Quoi. J'essaie de faire ça intelligemment. Quoi. Je pense que le bio, je sais pas, hein, y a des gens plus intelligents que moi, comme Pierre Rabhi, qui écrivent ça bien. Je vais te dire, si demain l'homme n'arrive pas à prendre conscience de ça, mais on se tire une balle dans le pied. Hein, c'est encore toujours le même problème dans notre société aujourd'hui. C'est toujours une histoire d'argent. Il y a des gens qui sont embarqués dans une recherche de profit, et bien évidemment, le discours du bio ne passe pas. Puisque, à moins que demain, le bio soit vraiment un vecteur de marketing très puissant, et là, ils vont s'y mettre. Mais tant qu'il y aura de la rentabilité financière à faire du conventionnel, il y aura du conventionnel sur cette planète. Hein. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On a du stress parce qu'on n'a pas le droit de se manquer. On est avec les éléments naturels, il y a le mauvais temps, il faut encaisser. Il y a un problème au niveau d'un fournisseur qui ne peut pas t'amener de la marchandise, c'est un problème. Et on n'en ressent pas le même stress comme mes amis qui sont dans des bureaux avec une hiérarchie, avec des contraintes, des objectifs à respecter. Moi, les objectifs, je fais mon lait. Je fais mon lait pour être content de faire mon lait. Si maintenant j'ai une saison où je fais un peu moins de lait, on s'en fiche. Hein, je ne suis pas là à mesurer le litre près. Hein. Je suis en train de casser le fromage qui a reposé pendant 2 heures. Je mets ces cajottes pour extraire le petit lait, pour ensuite faire le brou.
casserole dans celui-là aussi, s'il te plaît. Oui, celui-là, il y a du fromage. Hein. Tu as des horaires de fou, surtout au printemps. Quand tu fais 70-80 heures par semaine, il faut que tout le monde soit convaincu dans la maison, parce que sinon, ça le fait pas. Après, les enfants, mine de rien, bon, ben, y a des choses qu'on arrive à leur offrir que d'autres gamins n'ont pas. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas leur offrir aussi. C'est la disponibilité sur les activités, choses comme ça. Ça, malheureusement, on est un peu, c'est un peu dur, mais bon. En même temps, quand tu vois mes gosses là qui font le fromage en montagne, qui courent là, qui sont en pleine nature comme ça, c'est aussi c'est une chance pour eux. Hein. Mais bon. Après, il n'y a plus aucun moment de récupérer. Non, tu vois, c'est des gens, c'est des consommateurs de ta voix. De venir donner des conseils pour faire leur vie. Mais je descends. En Europe, on a été tellement loin dans la modernité, je crois qu'il faut qu'on arrive à repenser le collectif dans l'agriculture quand même. Parce que justement, on est face à des paradoxes sur la privatisation des terres agricoles, qui après, il y a des plus-values sur les terres. Moi, je suis sur une île où il y a énormément d'ambition sur la constructibilité des terres. Et on s'aperçoit que l'agriculture, c'est un commun, ça doit être un collectif. Bon, alors je ne vais pas ici tenir un discours stalinien, on a bien vu l'échec du communisme. Mais il va falloir réinventer quelque chose, parce que moi, personnellement, je reçois des primes, mais je n'ai pas l'impression que c'est pour moi. Ça m'aide à l'investissement, ça m'aide à faire tourner la boutique. Moi, ici, j'ai une centaine de clients qui m'achètent mon foin, j'ai des clients qui m'achètent le fromage, j'ai des clients qui m'achètent les cabris, je suis dans la roue, ça tourne. Voilà, je fais tourner la machine parce que j'ai la passion et j'ai envie d'y être, mais aujourd'hui j'y suis, demain il y aura quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas mes enfants, il y aura quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que les terrains que j'ai transpirés pour remettre en valeur, ils retombent à l'abandon. C'est dommage. Je pense qu'il faudrait qu'on évolue vers quelque chose de plus collectif sur l'agriculture, mais ça, je ne suis peut-être pas assez intelligent pour le penser. Finir.
froid. Voilà, parce que le toit. Plus tu es petit, plus tu maîtrises le bout de terrain que tu as. Et le changement d'échelle en agriculture, ça amène forcément de la mécanisation et ça amène aussi de la perte dans la précision, je trouve. C'est-à-dire que quand après tu as un gros tracteur, eh bien, y a les parcelles qui sont un peu inaccessibles, tu n'y vas plus. Quand tu as un gros cheptel, tu prends plus le temps de suivre tes bêtes et de rester derrière avec ton chien pour les amener à un endroit qui est un peu difficile d'accès. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai vu dans mon village, l'espace fourrager au siècle dernier était plus important qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on a les quads, on a les motos faucheuses, on a les tracteurs, les faucheuses. Mais pourtant, justement, à cause de cette mécanisation, les endroits qui étaient devenus inaccessibles, alors avant, on allait faire une meule de foin et on allait y porter les deux vaches qui descendaient de la montagne, elles y restaient pendant un mois. Ce genre de façon de faire, on les perd. Donc, petite échelle, pas trop petite pour pas que les gens soient pris à la gorge les années de disette, mais pas trop grosse non plus d'échelle parce que malheureusement, après, on est les esclaves des banques. Hein, et on voit ça dans l'agriculture moderne de certaines régions de France. Les gens, aujourd'hui, ils courent après le chiffre à la fin du mois, c'est dramatique pour eux. J'ai travaillé un quart d'heure à l'association là-bas, 20 minutes là-bas, 40 minutes là-bas. Tu le vois comme quand des fois tu as les CV, bon les photos ne vont pas autant, c'est une belle forme, non, non, m'amuse ton à lire. Même si elle est belle, est-ce qu'elle est propre? Que tu laisses aller, que tu ramasses ce que tu ramasses, ça j'achète à la production. Oui, change. J'ai un goût qui est... J'ai tchoucha. Tu n'y en donnes pas? Non. Ah bon? Non, avant c'est... tu y en donnais. Non, ouais. Le problème de canalisation d'eau potable irrésolu depuis 2 ans. Mais moi, j'ai connu l'époque où j'ai trait à la main, j'ai avancé doucement et je suis content du résultat. Et moi, la jeunesse, je leur dis, qui va pian ou va sarm. Il ne faut pas s'enflammer. Et moi, c'est ce que je vis au Verdanaise, là-haut, dans les estives, retravailler à l'ancienne, là, pendant un mois de la saison, c'est la fin de lactation, on repasse en traite manuelle, on caille dans un petit casel, on met le fromage dans un cagile. Ça, pour moi, c'est la preuve, et je veux le montrer à mes enfants, c'est qu'on peut travailler dans de petites conditions et on s'en sort. Il suffit de s'appliquer, il suffit d'avoir du savoir-faire, et on s'en sort. Après, c'est sûr, travailler dans ces conditions toute l'année, ça serait difficile, mais moi, j'ai connu l'époque de traire à la main, même en bas, au hangar. Voilà, c'est toujours une histoire d'échelle. Après, quand on a plus de bêtes, il faut un peu plus de matériel, mais... Une petite échelle de travail, elle est rentable. Il ne faut pas s'enflammer sur les investissements parce que voilà, on ne sait pas où on va et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc. Ça, c'est où tu vas garder? On devait garder, mais il est un peu...
Je vais prendre la limite, je me suis déjà tout ramassé là. On fait des choix, on fait des choix de vie. Un ami à moi dit « Pastor, aimez quand vous mestier et vous ne nous oudiquons pas ». C'est voilà, c'est un engagement, c'est un sacerdoce, on va le dire comme ça, ça fait rigoler les gens, mais c'est une manière de vivre. On est bien, on est en campagne, on est avec nos bêtes. Disons que quand tu fais ça, tu sais ce que tu fais et je pense que quand tu arrives à l'article de la mort, il n'y a pas de regrets ni trop de reproches à te faire. Tu es heureux d'avoir fait ça.